Voilà, très bien. Donc, je vous propose maintenant de faire la lecture. Vous avez là les trucs pour enregistrer. On commence à lire tout le monde. Et donc, Ruth, tu commences pour les mots qui te correspondent. Je t'écoute. Note pédale. Note pédale. Par Clicking Fur, écrit à trois voix au moins, dans lesquelles une voix suit un seul et même son, pendant que les autres s'enchevêtrent. En réponse, c'est vrai. Très bien. Tu continues. Pause. Pause. Indique dans la notation la suspension ou la cessation de la phrase musicale, interruption de la musique. Très bien. Je te remercie. On continue avec Inès, s'il te plaît. Point. Point. Signe semblant au point de l'actitude ordinaire. Placé de la suite d'une figure, note au silence. Il est aumenté la durée de moitié. Très bien. Point d'orgue. Point d'orgue. Signe en forme de point surmonté d'un demi-cercle. D'un demi-cercle. D'un demi-cercle. Placé horizontalement sur la figure de note pour en prolonger les valeurs tout le temps que l'exécuteur anime. N. Que l'exécuteur N. Très bien. Forte. Forte. Réunion de lignes sur lesquelles est écrite la musique. La musique. On compte les lignes de la portée en commençant par celle du bas. La portée moderne a 5 lignes. 5 lignes. Très bien, je te remercie. Anna, s'il te plaît, tu continues. Caduta croche. Figure de note en forme de croche dans la queue porte 4 crochettes. Elle vaut la moitié de triple croche. Très bien, ronde. Ronde. Non, François, de figure de note. Dans la notation moderne, affectant la forme ronde ou légèrement ovale. Cette figure dure 4 temps. Dure, 4 temps. 4 temps. Très bien. Rythme. Rythme. Le rythme est la succession régulière de sons. Très bien. C'est tout. Alors je continue avec ta camarade Anna. Série, s'il te plaît. Merci, série. Anna. Musique. Créé selon la... Non. Série. Si, série. Suite des douze demi-tons de la rame chromatique utilisée comme unité dans la musique tonale de la phonie. Très bien. Série musique créée selon la méthode de composition atonale dans laquelle on utilise sans répétition la série de 12 sons de l'échelle chromatique. Très bien. C'est tout? Ah, sixième ou sextolé? Sixième ou sextolé. Dans les solfèges, les systolés est dans division exceptionnelle du temps dont la fonction est de remplacer des trois lettres consécutives. Très bien, je te remercie. Très bien. On continue avec Carlos. Solfège. Méthode au recueil. Des principes élémentaires de la musique accompagnés d'exercices gradués de lecture et d'intonation. Très bien. Sophie. Le chanteur, en moment, les sons par leur syllabe propres. Propre. Propre. E, do, ré, mi, fa, etc. Mm-hmm. Et soupir, signe de silence équivalent à la durée d'une main. Très bien, je te remercie. Maintenant, Isabelle, syncope. Syncope, dans les autres rythmiques. On appelle syncope. 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 À une tonne d'attaquer, sur un temps faible ou sur un parti faible d'accompagne. Et prolonger sur le temps suivant. Très bien. Temps. Temps. Le temps est un paramètre principal de la musique. Dans les sophètes, le temps est une circonscription de la musique et sujet la dynamique à apporter à l'interprétation. Très bien. Tonalité, c'est tout? Tonalité? Non, tonalité. Le mot tonalité désigne une échelle musicale appartenant au septième tonal. Très bien. Et pour finir, on termine avec vous encore. Et tu lis tonique. Tonique. Note fondamentale du ton et qui lui donne son nom. Voilà, très bien. Je vous remercie à tous. Bravo, très bien, merci. Dites bonjour à vos amis, à votre famille. Ok? C'est très bien. Voilà. Bueno, vamos a trabajar un poquitín la gramática y luego tenemos que
una canción infantil que hoy tenemos que hacer coreografía con la canción infantil que tenemos, ¿ok? Claro. Voilà. O sea que hay que bailar hoy un poco, ¿ok?